Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Premier tour pour nous a été une phase vraiment excitante parce qu'on a découvert bon nombre de talents. Pour nous, c'est ça qui était le plus important parce qu'on connaît pas mal d'artistes déjà, qu'on a déjà contacté déjà pour les inviter au Art Center. Mais ce que Codan Lab nous a apporté, c'est cette ouverture envers bon nombre des artistes, surtout les artistes émergents. Et là, pour nous, c'est quelque chose de vraiment, vraiment positif. Il y a le deuxième round, donc ça c'est on déjà, c'est toujours la même méthodologie, c'est que c'est sur notre plateforme. Donc là, les gens vont pouvoir voter. Il y a aussi le jury qui verra tout ça. Et donc le 8 novembre, là, on aura à finaliser avec le huissier. Donc tout ce processus de sélection, de vérification, etc. va se faire. Donc à partir de là, nous aurons les 10 finalistes qui vont battle it out dans l'ouverture du Art Center. Sonny, for me it's just a made-up word, a politician's word, so that young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job. Donc sera deux par catégorie. Le prix, grâce à nos sponsors, est vraiment, vraiment high, je crois, vraiment motivant, c'est de 200 000. Ça, c'est pour le gagnant, mais quand même, les finalistes, eux, ont tous un contrat avec nous dans le Art Center. Maintenant, il s'agit aussi de trouver cette créneau, de pouvoir travailler avec eux, parce qu'il y a deux ou trois d'entre eux qui ont beaucoup d'expérience, mais il y a quand même pas mal d'entre eux qui sont les artistes émergents. Mais là, il s'agit de travailler avec eux pour qu'ils puissent peaufiner et pour qu'ils puissent tenir tout un spectacle. Donc l'ouverture est prévue pour décembre et comme j'ai aussi dit, moi je veux que la programmation se fasse autour des événements beaucoup plus familiales parce que je crois que nous avons un devoir, nous à Maurice, de promouvoir tout ce qui est événements culturels. Donc voilà notre objectif. Aussi en même temps de travailler avec tous les autres acteurs culturels. Ce n'est pas uniquement Codan Art Center, donc c'est un peu toute cette collaboration qu'on a. Radio 1 sur le www.r1.mu.